Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous parlerons, Inch'Allah, de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et des deux mesquites qu'il a construits avec beaucoup de détails. Et nous verrons les bénéfices que l'on peut en tirer. Nous verrons aussi la première salade de vendredi et tout ce qui est arrivé durant les premiers jours. Nous avons déjà parlé d'une certaine controverse quant à la date exacte de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Nous ne connaissons pas la date avec précision parce que les gens n'étaient pas intéressés par cela, ils n'étaient pas intéressés par les dates, c'était des temps différents et il importait peu le moment exact où cela s'est passé. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup d'opinions à ce sujet. Certains disent le 12 de Rabi' al-Awwal, mais lorsque l'on regarde d'un point de vue académique, beaucoup de choses se sont déroulées le 12 de Rabi' al-Awwal et donc académiquement parlant, cela n'a aucun sens. Un premier écrit de l'histoire dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de Mecca le 1er de Rabi' al-Awwal. Et en ces temps-là, pour aller de Mecca à Médine ou de Médine à Mecca, un bon et très rapide cavalier pouvait le faire en 3 jours et demi. En caravane, ce n'est pas la même chose bien sûr, car la caravane est lente. Et donc de ce fait, ils peuvent prendre jusqu'à 9 jours. Donc dans les deux cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas arrivé le 12 de Rabi' al-Awwal, il serait plutôt donc arrivé vers le 8, le 9 de Rabi' al-Awwal. Et ceci serait plus approprié. En plus, Ibn Ishaq a mentionné qu'il est arrivé un lundi avant midi. Et ceci a été déduit. Le rapport dit que quand la nouvelle est arrivée à Médine, on doit faire une petite pause ici. Quand la nouvelle est arrivée à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, cela veut dire déjà que 3 ou 4 jours s'étaient déjà passés, car le cavalier le plus rapide, comme on l'a dit, parcourait Mecca à Médine en 3 voire 4 jours. Donc la nouvelle est arrivée avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive, parce qu'il est plus lent et qu'il passe des nuits sur la route. Et donc les habitants de Médine partaient alors tous le matin pour atteindre l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et éventuellement, quand le soleil devient chaud, donc à peu près vers 10h30, 11h, c'est le moment où le soleil devient trop chaud à Médine, et dans tous les climats du désert d'ailleurs, les gens se réveillent à l'aube vers 5h, vers 6h du matin, c'était le bon vieux temps. Il y avait alors des délégations de personnes qui attendaient jusqu'à 11h. Ils retournaient donc, et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est forcément arrivé un peu avant midi, ou bien un peu après midi, parce que les gens étaient déjà partis chez eux. Il est arrivé donc un lundi, et c'est là que les Sahaba sont allés le saluer. Et comme on l'a déjà dit, le premier établissement de Médine était Kouba. C'est le premier établissement de la grande ville de Médine. Médine, comme vous le savez, est constitué de plusieurs campements, si l'on veut, des sortes de petits villages. Et le plus petit d'entre eux, et le plus éloigné en direction de Mecca, était Kouba, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à séjourner dans la maison de Kulthum ibn Hidm. C'est Qulsum ibn Khaytama et nous n'avons aucune information le concernant. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un vieil homme de la tribu des Benou Amr ibn Aouf et qui est une tribu des Ansar. Et c'était le premier sahabi à mourir à Médine. Subhanallah, Allah Azza wa Jal l'a béni en lui permettant de recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a été le premier musulman à mourir à Médine à cause de son âge après le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé. Et au fait, Allah Azza wa Jal la garde en vie pour lui permettre de recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas beaucoup de détails, mais nous pouvons imaginer comment était sa vie, mais il est clair que Allah Azza wa Jal avait pour lui une grande surprise, et il lui a permis de vivre jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a reçu, et la seconde information que nous avons le concernant est que le premier musulman à mourir à Médine était Qulsum ibn Hidm. C'est tout ce que l'on sait à propos du sahabi Qulsum. Et au fait, Qulsum radiallahu anhu est un nom de femme et d'homme. Et ici, il s'agit en l'occurrence d'un homme. Il est aussi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séjourné dans la maison de Saad ibn Khaytama radiallahu anhu. Quelques rapports disent qu'il a passé la nuit chez Qulsum. Et comme Qulsum radiallahu anhu était un homme marié avec des enfants, il allait chez Saad radiallahu anhu pour pouvoir recevoir les gens. Et il passait la nuit chez Qulsum ibn Hidm radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu passait la nuit dans la maison d'un autre des Ansar et le jour après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à construire le premier masjid à Médine. Le premier qu'il a construit, parce qu'il y avait déjà un endroit utilisé par les musulmans pour prier, mais pas une vraie structure physique. C'est juste que les Sahaba priaient régulièrement avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc improvisé un mesjid, mais pas un vrai si vous voulez. Et la première Jum'a avait déjà eu lieu à Médine. Mus'ab ibn Umayr était là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait encore jamais fait de prière de Jum'a de sa vie. Et cela nous montre que le commandement de Jum'a est l'un des incidents que les Sahaba ont fait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Pour le commandement de Jum'a, les Sahaba l'ont fait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur avait envoyé un message de Mecque pour effectuer la Jum'a, mais il n'a pas pu le faire lui-même parce qu'il était harcelé et qu'il n'avait pas la liberté à Mecque. Il a alors envoyé un message aux musulmans de Médine pour commencer la Jum'a pendant un an ou un peu moins, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Il est donc arrivé un lundi et a commencé la construction d'un mesjid appelé de nos jours Masjid Quba. Et il est dit qu'au moment où il a commencé la construction, Ali radiallahu anh était déjà arrivé. Ce qui veut dire qu'il n'a pas construit pendant au moins 2 ou 3 jours, parce que l'on dit que Ali radiallahu anh est arrivé 2 ou 3 jours après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anh est resté à Mecque pour 3 nuits additionnelles selon Ibn Ishaq, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé. Il est resté 3 nuits de plus pour finaliser quelques affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les amanat, comme on a dit auparavant, les rendre aux gens concernés. Donc Ali radiallahu anh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient tous les deux sur la route à Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précédé et a pris un chemin plus long. 2 choses que l'on doit garder dans l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route 3 nuits avant Ali radiallahu anh, et il a séjourné à Gharithur et a pris un chemin plus long. Tout ceci montre qu'Ali radiallahu anh a rattrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il avait quitté 3 jours au même moment, ce qui montre qu'Ali radiallahu anh a pris le chemin le plus rapide, ou peut-être même le même chemin, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Gharithur, le plus long chemin, et a attendu Ali radiallahu anh, Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, de venir à Médine. Ali radiallahu anh est arrivé un mercredi ou jeudi, et vendredi matin, selon les dires de Ibn Ishaq, ils ont pris la route pour la ville de Médine. Ce qui veut dire que la construction du Masjid Quba avait commencé le mercredi ou jeudi, et il est dit que la première pierre avait été déposée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Ali radiallahu anh et Abu Bakr radiallahu anh ont continué, suivis par les Ansar. Donc la première pierre avait été déposée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Maintenant nous allons voir qu'il y a une petite controverse dans les livres des tafsir autour d'une référence dans le Qur'an, Surat Tawbah, versets 108 à 110. Dans ces versets, il est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: il ne t'est pas permis de prier dans le Masjid d'Irar, le mesjid des munafikin, le mesjid des hypocrites. La ta'aqum fihi abada, n'y prie jamais. Nous y reviendrons à l'histoire de ce qui s'est passé et de pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit jamais y prier. C'est le mesjid d'Abdullah ibn Ubayy ibn Salul et les autres munafikin. Allah azza wa jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne jamais prier là-bas. La ta'aqum fihi abada. Ensuite, Allah azza wa jal lui a dit: le mesjid qui a été construit du premier jour sur la base de la taqwa, il a plus de droits que tu y pries au lieu du mesjid des munafiqoun. Car ce mesjid comprend les gens qui aiment se purifier, et Allah aime les gens qui se purifient. Maintenant, de quel mesjid est-il question? Le mesjid dont les fondations ont été construites, la ta'aqum fihi abada, celui dont la base et la taqwa est plus appropriée pour que tu y pries. Et donc concernant cela, ce mesjid, l'avis des ulémas est qu'il s'agit du Masjid Quba, parce que le Masjid al-Munafiqun était dans la même région que Masjid Quba. Il a été donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas aller à l'autre masjid, mais d'aller à celui-ci. Et si c'est le cas, on espère que c'est la correcte opinion, Inch'Allah. C'est donc une référence indirecte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit aller prier à Quba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chaque semaine prier là-bas. Ali ibn Abi Talib radiallahu anh a dit que chaque semaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à pied à Quba ou bien prenait son chameau. Ali ibn Abi Talib radiallahu anh a dit que c'était un rituel hebdomadaire et en général les lundis. Il allait à Quba et y priait 2 rak'ah. Et il disait que ceux qui ont fait wudu dans leur maison et pris dans Masjid Quba, ils auront la récompense d'une Umrah complète. Donc Masjid Quba a une bénédiction et quand on va à Médine, on prie aussi à Masjid Quba. Allah Azzawajal a dit que ce Masjid a été construit sur la base de la taqwa. Et donc ce Masjid a plus de droits que tu t'y arrêtes. Dans un hadith d'Abu Daoud, il a été dit que c'est le Masjid Quba. Et quand ce verset a été dévoilé, ils ont demandé aux gens de Quba « Pourquoi Allah Azzawajal vous rend hommage plus qu'à nous ?» Et ils ont dit, il s'agit d'une question de purification, et il est question de se purifier après qu'ils aient utilisé les toilettes. Ils ont une habitude de s'essuyer d'abord, puis se laver avec de l'eau, alors que plusieurs personnes de notre temps s'essuient seulement sans se laver. Et donc ils ont dit qu'ils se lavent toujours avec de l'eau après s'être essuyés. Et c'est pour cela que Allah Azzawajal a dit, vous êtes de ceux qui aiment se purifier, que c'est le meilleur moyen d'utiliser de l'eau. Chaque fois que vous allez aux toilettes, et au fait ce n'est pas wajib, beaucoup de personnes ont cette fausse idée que vous devez utiliser l'eau absolument. Aucun des savants de l'islam n'a jamais dit cela. Ce n'est pas une obligation d'utiliser de l'eau quand vous allez aux toilettes. Mais c'est pour vous ou pour éviter les infections, il est préférable d'utiliser l'eau. Mais vous pouvez utiliser bien sûr une matière sèche. Dans le passé, ils n'avaient pas le luxe d'utiliser cette quantité d'eau. Et ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas dans le sens où cela les tuerait, mais c'était difficile d'accès pour eux. Donc les gens de Quba l'ont fait et Allah Azzawajal les a honorés de cette manière. Et cela nous montre qu'il est meilleur de le faire, alhamdulillah. Notre culture et nos coutumes nous encouragent à le faire. Et c'est très islamique de se laver avec de l'eau, alhamdulillah. Maintenant, de quel masjid il s'agit dans ce hadith? Comme nous l'avons dit, il s'agit de Quba. Alors le problème qui se pose, c'est qu'un sahabi est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé quel masjid a été bâti selon la taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « En effet, wallahi, c'est celui-ci, mon masjid. » Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. C'est là d'où vient le ikhtilaf des savants. De quel masjid il s'agit dans le Coran? Certains disent que ce n'est pas Quba, c'est le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le rapprochement est que ce verset s'applique aux 2 masjids et que les 2 ont été basés sur la taqwa et ce dès le premier jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est mon masjid » pour que personne ne pense que Masjid Quba a une bénédiction supérieure au sien parce que ceci n'est pas vrai. Donc il a dit « Cela s'applique aussi à mon masjid et non seulement à Masjid Quba parce que les 2 masjids ont été construits sur la base de la taqwa. » Et donc c'est ainsi qu'on réconcilie cela, et donc cela s'applique aux 2 masjids. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive un lundi et reste à Quba, lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi soir, il a annoncé qu'il allait entrer à Médine le lendemain matin. Les préparations ont alors commencé et plus de 500 Ansar habillés, comme on l'avait dit auparavant, de leurs costumes cérémoniaux, de leurs armures et leurs épées, parce que c'était la manière de s'habiller pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de revenir avec lui en ville. Il y avait donc un réel comité d'accueil pour l'escorter au centre de la ville de Médine. Et le vendredi matin, il a fait Salatul Jum'a au milieu. Donc, la première Jum'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectuée n'a été ni à Quba, il n'a pas encore de masjid, n'est-ce pas? Il était sur son chemin et a prié dans la région de la tribu de Benou Salam. Il s'est juste arrêté et a donné sa première khutbah, qui a été notée par Ibn Ishaq et Al-Bayhaqi. La chaîne est un peu faible, mais il n'y a aucune honte à l'écouter. La première khutbah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectuée a été notée par Ibn Ishaq. Et comme on est déjà familier à l'existence de 2 sections, et c'est surprenant que tous les khutbahs du prophète qui ont été enregistrés, et nous en avons seulement quelques-unes, elles ne durent pas plus de 3 voire 5 minutes. Et c'est très intéressant que les khutbahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très courtes, 3 à 5 minutes. C'est comme cela que c'était. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est du fiqh et de la perfection qu'il faut réduire la khutbah et allonger la salah. Donc la salah était plus longue que sa khutbah. De nos jours, on fait l'opposé et il y a une raison pour laquelle nous faisons cela. C'est le seul moment où 90% de la Ummah voit l'intérieur du masjid, n'est-ce pas? Pour être même brutalement honnête, c'est même la seule prière que font 70% de la Ummah durant la semaine, malheureusement. Et c'est le cas, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Donc c'est pour cette raison que c'est la sunna dans le monde entier, et je ne connais aucun mesjid qui a une khutbah qui dure 3 minutes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait à des gens dont le iman était à un niveau différent, et qui n'avaient pas besoin de rappel comme nous. C'est ce genre de choses que la Ummah a dû changer, mais toutefois, essayez de garder le temps de la khutbah raisonnable. Et je pense que 25 minutes est tout à fait raisonnable. Et c'est ce que font la plupart des gens, la plupart des mesjids dans le monde. Je sais qu'il y en a qui mettent aussi 45 minutes voire 1 heure dans les pays dans l'Orient, et 1 heure de khutbah, c'est beaucoup trop. Et quelle est donc la première khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était en 2 parties. Dans la première partie, il les a encouragés à être généreux et leur a rappelé la certitude de la mort et de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jal demandera à tous et à chacun de nous ce qu'il a reçu et ce qu'il en a dépensé. Dans cette khutbah, il y a un authentique hadith que l'on connaît tous et qui est dans Bukhari. Pas la khutbah, mais la phrase dite dans la khutbah que chaque personne qui peut éviter le feu, qu'elle donne même la moitié d'une date. Et donc, même avec une portion de date, qu'elle le fasse, et s'il n'a pas cela, alors avec un kalima taïba, avec un mot gentil, parce que chaque acte est multiplié par 10. Il s'est alors assis après cela, c'était donc la première khutbah. La charité, la mort et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne peux pas donner de la sadaqa, alors au moins dis un mot gentil. Après avoir dit Amma ba'd, celui qui aura le plus de succès est celui dont le cœur a été embelli par Allah. Celui dont le cœur est devenu beau, c'est celui qui a été couronné de succès et lui a permis d'entrer à l'islam après le kufr. C'est lui qui a réussi et qui a été choisi de parmi le reste du peuple pour le meilleur. Vous qui avez accepté l'islam, vous avez été béni comme personne d'autre sur terre. Vous avez réussi parce que vous avez délaissé le kufr pour entrer à l'islam. Aime ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et aime Allah de tout ton cœur. Et ne vous fatiguez jamais des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du zikr d'Allah. Ne vous fatiguez jamais des paroles d'Allah. Et ne laissez jamais votre cœur devenir dur. Allah choisit ce qu'il veut, ce qu'il bénit. Et il a béni ceci, c'est-à-dire le Qur'an et le zikr à être le meilleur acte possible. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce qu'il veut. Et il a choisi de bénir ceci, c'est-à-dire le Qur'an et le zikr. Et être le meilleur acte possible, vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associer aucun partenaire, et ayez taqwa en lui comme vous devez, et soyez sincères à Allah dans toutes vos paroles. Aimez autrui avec l'esprit d'Allah entre vous. Et c'est une phrase très intéressante, c'est une phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa première khutbah. Aime Allah avec l'esprit d'Allah entre vous, et rappelez-vous qu'Allah n'aime pas ceux qui rompent leurs promesses. Wassalamu alaykum. Et ceci est la première khutbah en entier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au max, elle a duré 2 minutes. Et subhanallah, regardez combien elle est compréhensible, cette khutbah, et combien elle est pertinente. La première khutbah est à propos de la charité. Et quel excellent moment pour rappeler aux gens la charité, parce que c'est le moment où la Ummah a besoin de charité. S'il y avait un moment où on en avait besoin de collecter des fonds, ce serait au début de l'islam. S'il y avait un moment où les gens devaient faire des dons pour la cause d'Allah azzawajal, ce serait au début de l'islam. Donc la première khutbah voulait dire, vous devez donner votre argent maintenant, on en a besoin tout de suite. Nous devons commencer une nouvelle république et tout un nouveau système. Nous aurons besoin de vos sacrifices. Il les a donc encouragés à leur rappeler la réalité de la vie et de la certitude de la mort. Cette khutbah comporte en même temps menaces et récompenses, espoir et promesses, et c'est la méthode de l'islam, de dire aux gens ce que sont les récompenses pour les rendre heureux et joyeux, mais aussi on les rend apeurés et craintifs de la punition d'Allah azzawajal. Tarqib et tarhib est la phrase arabe. On leur donne de l'espoir, mais on les rend aussi apeurés de la punition d'Allah azzawajal. C'est la méthodologie de l'islam. Certaines religions de nos temps trouvent cela archaïque, et pour eux, tout tourne autour des bons côtés, des bonnes choses. Mais en réalité, la nature humaine a besoin de la carotte et du bâton. La carotte est bien, mais si vous n'avez pas de bâton, vous n'avancerez pas. Vous avez besoin des deux, de la récompense et du châtiment. Et la religion de l'islam est pleine de promesses du paradis et de menaces de châtiment. Et ainsi faite la nature humaine, vous avez besoin des deux. Donc même dans cette première khutbah, vous rencontrerez Allah Azzawajal à l'heure et par de lui. La mort viendra à vous et il vous demandera ce qui en est de votre argent, de ce que vous avez donné, si vous voulez vous sauver des flammes de l'enfer. C'est la première khutbah qu'il a donnée. Cela vous rend apeuré et il y a aussi aimer Allah Azzawajal de tout votre cœur. Allah Azzawajal vous donnera ce qu'il a promis. Il y a donc les deux, des menaces et des promesses. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué avec « Donc toute personne qu'Allah guide, personne ne peut le désorienter, et toute personne qu'Allah a égarée, personne ne peut le guider au droit chemin. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité excepté Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam son messager. » Cette khutbah est si forte que certains ont accepté l'islam juste pour cette khutbah. Juste pour cette khutbah, imaginez, ils ont accepté l'islam. Et l'exemple le plus fameux est celui de Dimad al-Azdi, qui est venu à Mecca. Il était un des dirigeants du Yémen et il était un homme de la médecine. Quand il est rentré à Mecca, les gens lui ont dit de faire attention à cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit que c'était un charlatan, que c'était un fou et beaucoup d'autres choses. Ils lui ont dit de faire attention à cet homme-là. Dimad a dit qu'il a mis du coton dans ses oreilles pour ne pas entendre ce qu'il a à dire. Ils m'ont tellement averti que j'étais terrifié. J'ai donc mis du coton dans mes oreilles à chaque fois que je le voyais pour ne rien entendre de ce qu'il avait à dire. Puis je me suis dit, je suis un homme intelligent. Combien son discours peut-il être fort? S'il est dans l'erreur, je le guiderai. S'il est malade, je suis un homme de médecine, je le guérirai. Il a donc enlevé le coton et est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Ton peuple m'a averti de ne pas t'écouter, mais je souhaiterais le faire, qu'as-tu à dire ?» Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait l'ouverture de la khutbah du Jum'a. Et justement, après l'ouverture, quand il allait commencer son discours, le discours du Jum'a, quand Dimad lui a demandé de s'arrêter et de répéter ce qu'il venait de dire. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et donc il a répété ces phrases encore une fois. Et il n'avait pas encore commencé son discours, c'était juste l'ouverture du Jum'a. Et Dimad a dit « J'avais mémorisé le shi'r du ins et du djinn, c'est-à-dire les poèmes des hommes et des djinns, et tous les autres poèmes, et je me considère intelligent et un homme éduqué. Mais je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi éloquent que ceci. Vous devez être un homme à qui Allah Azzawajal a donné l'inspiration. » Et c'est tout, il a accepté l'islam au même moment. Donc l'ouverture du Jum'a a été la cause à travers laquelle Dimad al-Azdi radiallahu anhu a accepté l'islam. C'est pour vous montrer combien est éloquent la khutbah, l'ouverture de la khutbah. Et ça en vaut la peine de la lire. Et donc après l'ouverture de la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rappelle. C'est purement spirituel. La seconde, la première est basée sur l'action, vous devez être charitable. La deuxième est purement spirituelle, et c'est subhanallah, la perfection de l'islam. Ces deux-là, l'iman et l'amal, donc si vous voulez, c'est basé sur la spiritualité et l'acte. Et c'est la perfection des deux khutbahs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit quel est le réel succès et quelle est la beauté de l'islam. Il leur dit de purifier leur cœur, et il leur dit d'aimer Allah Azzawajal avec tout leur cœur. N'est rien d'autre que l'amour d'Allah Azzawajal. Il leur dit qu'il existe deux axes basiques de vénération. Ne soyez jamais fatigués de les faire. Et quels sont donc ces actes de vénération? La numéro 1, de ne jamais se fatiguer de lire le Coran, et en numéro 2, de ne jamais se fatiguer de faire de zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous devra avoir une dose quotidienne de Coran et de zikr. Les deux sont liés. Il nous ordonne, ne vous fatiguez pas, et nous encourage qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce qu'il veut. Et il a choisi parmi ceux-là d'être les plus dévoués. Donc n'en soyez pas fatigués et n'endurcissez pas votre cœur. Ce qui veut dire que lire le Coran et les dhikr rend votre cœur souple. Parce qu'il dit n'endurcissez pas vos cœurs, et juste après il nous dit de réciter le Coran et de lire les dhikr. Vous voyez le lien, mes chers frères et sœurs? Et il termine la khutbah en leur rappelant de s'aimer les uns les autres. Encore une fois, c'est un bon rappel au début de l'islam. Et spécialement, aimer autrui avec l'amour d'Allah Azzawajal, avec l'âme d'Allah Azzawajal. Ce qui veut dire avec l'aide d'Allah Azzawajal, dans l'esprit de l'islam, dans l'amour d'Allah Azzawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant « qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas que l'on rompe ses promesses, et ceci est une indirecte menace que vous avez promis à Allah Azza wa Jal en tant que musulman maintenant d'accomplir sa religion. Faites en sorte de ne pas rompre cette promesse. Vous avez promis d'accomplir sa religion, de ne pas rompre cette promesse. Après cette khutbah, il rentre à Médine, et de là, nous avons déjà parlé de ce qui s'est passé avec le chameau qui s'est assis à la place du mesjid et qui a demandé à qui est la maison la plus proche. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à qui est la maison la plus proche, et il s'est installé ainsi chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, ce que nous avons déjà mentionné. Et la première chose qu'il a fait était de tourner son attention à la construction du mesjid. Notez qu'en l'espace de 5 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit 2 mesjids, malgré qu'il n'ait pas encore de toit sur la tête. Et à l'endroit où il s'était arrêté, ils y ont aussi construit un mesjid. Il y a donc ainsi un troisième indirect mesjid qui a été construit. Il ne l'a pas construit, mais là où il s'est arrêté pour prier la Jum'a, c'est aussi devenu le mesjid pour cet emplacement. Et au fait, il y avait déjà plusieurs mesjids à Médine, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Parce que les gens ne pouvaient pas marcher jusqu'au centre de la ville pour 1h30 ou plus pour chaque salat. Mais le mesjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien sûr le point central et le plus grand. Et c'était apparemment le seul dans lequel la Jum'a était faite, et Allahu a'lam, la Jum'a se faisait uniquement là-bas. Il n'y a aucun autre écrit qui mentionne que le Jum'a a été fait quelque part d'autre. Par conséquent, nous voyons ici l'importance du mesjid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit avant même sa maison. Ce qui nous montre le statut de cette maison d'Allah Azza wa Jal. Ce qui nous montre que cette maison d'Allah, que ces maisons d'Allah, et en effet, Allah Azza wa Jal les appelle ses maisons. Allah Azza wa Jal nomme les mesjids ses maisons. Allah Subhanahu wa Ta'ala glorifie le mesjid dans le Coran. Dans les maisons de culte, Allah Azza wa Jal a permis que les gens élèvent leur voix pour son éloge. Et les gens glorifient Allah Subhanahu wa Ta'ala matin et soir et ne sont pas dissuadés de le faire, ou tentés par leur richesse ou d'autres distractions de ne pas glorifier Allah Azza wa Jal pendant le matin et le soir. Le mesjid était l'endroit du ilm, c'est l'endroit où les halaqat seront donnés. Le mesjid était une place de shura, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les sahaba. Dans la bataille de Bédir, dans la bataille d'Uhud, il les appelait « Que devons-nous faire ?» C'est le lieu de la construction aussi, c'est l'endroit où les gens se rassemblent et décident de leurs affaires, l'endroit où les gens se fréquentent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur demande de lui parler du temps de la jahiliya, dont ils en rient et plaisantent. Le mesjid était l'endroit des festivités aussi. Le nikah se déroulait dans le mesjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait au mesjid plus qu'il ne l'était dans sa propre maison, ce qui nous montre l'importance du mesjid. De là, le ilm se diffusait, de là le Qur'an se diffusait, de là même l'armée de l'islam se déployait, parce qu'il se serait arrangé à l'intérieur du mesjid et de là il se déploierait. Et dans le mesjid aussi, les gens qui n'avaient pas de maison dormaient aussi à l'intérieur. Au moment où les musulmans sont arrivés, il y a eu maison dans le mesjid, dès leurs arrivées s'ils n'avaient pas de maison. Le mesjid est devenu leur maison. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique que le mesjid est la maison de tout voyageur. Le mesjid est ouvert pour toute personne musulmane pour venir vénérer. Et s'ils ont besoin de dormir? Les savants ont parlé de cela. Est-il une obligation de donner un espace ou non? Mais dans l'islam, de manière générale, le mesjid est le refuge de tout musulman qui ne trouve pas où dormir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette phrase a 2 explications au fait, le mesjid sera la maison de tout muttaqi. Ceci veut dire que le muttaqi voudra être dans le mesjid. C'est une autre explication, d'accord? Où vous sentez-vous le plus confortable? Dans votre maison? Donc, où est-ce que le muttaqi se sent le plus confortable? C'est dans sa maison. Mais l'autre sens, il y a un sens physique et spirituel. L'autre explication est que chaque musulman qui n'a pas de maison, le mesjid devient sa maison, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mesjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu littéralement une université, une maison et un mesjid, le tout en un pour les gens de Soufa. Nous parlerons des gens des Soufa, de qui ils sont et de leur bénédiction incha'Allah la prochaine fois. Maintenant, les 5 prières quotidiennes ont déjà été faites. D'ailleurs, nous avons oublié de parler d'une histoire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisait le mesjid, nous avions mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait participé à la construction. Et quand les sahaba l'ont vu, ils ont dit, et c'est un poème, Wallahi, si l'on s'assoit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en plein travail, ce serait totalement anormal. Donc si nous nous asseyons, si l'on s'assoit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaille, ce serait une honte et irrationnelle, et ceci les encourageait à travailler encore plus. Un incident est raconté ici, qui a une importance théologique et historique, dont nous n'avons pas le temps de développer et non plus durant la sira, parce que cela concerne après la sira. Et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la parution de Ammar ibn Yasir, qui durant les jours de Mecca, ses parents sont devenus chéhides dans l'islam, Yasir et Sumayyah. Ammar radiallahu anh a grandi en tant qu'orphelin, a émigré à Médine et portait deux grandes briques et tout son corps était couvert de poussière. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je dis briques, ce ne sont pas des petites briques d'ailleurs, que nous avons aujourd'hui, ce sont les anciennes briques, on pourrait même les appeler pierres de carrière, c'est le mot le plus approprié, ce sont des grosses pierres. Il luttait donc en portant les deux grosses pierres. Et pendant ce temps, il a plaisanté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Il me tue en me donnant deux grosses pierres, alors qu'il n'en porte qu'une ». Il n'était pas sérieux qu'il le tuait, mais c'est le genre de choses que l'on dit comme plaisanterie, et ceci nous montre que les Sahaba avaient le sens de l'humour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Ya Rasulallah, il me tue en me donnant deux pierres et il n'en soulève qu'une ». Ce qui nous montre qu'il plaisantait avec lui, et il nous montre aussi du côté du fiqh que si l'on arrive à ce genre de blague, certains diront « La hawla wa la quwwata illa billah » vous êtes un menteur. Non, mais une plaisanterie est une plaisanterie, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas un mensonge si une autre personne sait que c'est une plaisanterie. C'est une blague. Et il y a des circonstances où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi des blagues. Et on en a parlé un peu au début. On peut en parler un peu plus à la fin de la sira. Et d'ailleurs, les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient tous vraies, alors que Ammar radiallahu anh a utilisé une figure d'élocution. Il me tue. Cela montre un peu d'exagération, un sens d'humour. Et cela montre son jeune âge pour dire cela. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est sourire. Et il lui a dit « Ô fils de Soumaïa, ils ne te tueront pas. » Comme vous l'avez remarqué ici, son nom est Ammar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé « Ya ibn Soumaïa ». Même si son nom est Ammar, en l'honneur de sa mère Soumayyah, subhanallah. Son nom est Ammar, mais en l'honneur à sa mère qui a été le premier shahid, c'est-à-dire le premier martyr dans l'islam, le premier shahid était Soumayyah. Il a honoré Ammar en l'appelant Ya ibn Soumayyah. Et depuis, tous les sahaba ont commencé à l'appeler Ya ibn Soumayyah, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé ainsi. Il n'a plus été appelé de son nom Ammar, juste Ibn Soumayyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a aussi dit « Tout le monde recevra une récompense en portant leurs pierres, mais tu en recevras deux parce que tu en soulèves deux. » Il lui a aussi dit « La dernière chose que tu dois boire dans ce monde sera un verre de lait. » Subhanallah, il a prédit la mort de Ammar ibn Yasir radiallahu anh. Il lui a dit « Tu boiras un verre de lait pour ensuite être tué par le groupe de Bariyah. » La mort de Ammar ibn Yasir radiallahu anh est devenue un événement important dans l'islam parce que Ammar radiallahu anh a choisi de combattre auprès de Ali ibn Abi Talib radiallahu anh contre les forces de Muawiyah radiallahu anh. Il y a eu une guerre et Ammar radiallahu anh a été tué aux côtés d'Ali radiallahu anh contre Muawiyah radiallahu anh. Et ce hadith a été utilisé par le groupe d'Ali radiallahu anh et ils ont dit que le groupe de Muawiyah radiallahu anh ont dépassé les limites. C'était un signe qu'Ali radiallahu anh était le plus proche de la vérité. Et c'est un des points de vue sunnites en contradiction à l'autre groupe des partisans de Muawiyah radiallahu anh. On les suit tous, mais nous pensons qu'Ali radiallahu anh était le plus proche de la vérité que Muawiyah radiallahu anh. Et ces derniers étaient sincères. Nous ne disons rien de mal à l'égard d'aucun d'eux. Et au fait, maintenant que nous parlons de cela, il y avait trois groupes de Sahaba. Un groupe qui n'a pas combattu. Ils se sont assis. On refusait de prendre un côté ou l'autre. Qui sont ces personnes? Ce sont Abdullah ibn Zubayr radiallahu anh, Abdullah ibn Abbas radiallahu anh, Abdullah ibn Omar radiallahu anh. Ils ont refusé de se battre. Ils ne se sont pas impliqués ni avec Ali radiallahu anh, ni avec Muawiyah radiallahu anh. Il leur a été demandé plusieurs fois de prendre parti, mais ils ont dit non, nous n'allons pas prendre parti. Et il a été demandé à Ibn Abbas radiallahu anh, tu prends quel côté? À ce moment-là, il y avait une petite dispute entre Ali radiallahu anh et Aisha radiallahu anha. Es-tu du côté d'Ali radiallahu anh ou du côté de Aisha radiallahu anha? Le groupe d'Ali radiallahu anh ou le groupe d'Aisha radiallahu anha? Il a répondu, je ne suis ni dans le groupe de Ali radiallahu anh, ni celui d'Aïcha radiallahu anha, je suis dans celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne m'impliquez pas dans cette bigoterie, ceci n'est qu'irtilafat, c'est défaire la umma. Je ne prendrai le côté de personne, je suis du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces sahaba donc ont refusé de participer. Selon Ibn Taymiyyah, ce groupe de sahaba était dans la vérité. Ils représentaient l'idéal. Ali radiallahu anh était proche, mais Muawiyah radiallahu anh n'était pas si proche qu'Ali radiallahu anh. C'est comme cela qu'on le dit. Donc il y avait ces trois groupes. Le premier groupe donc qui ne s'impliquait ni avec Ali radiallahu anh et ni avec Muawiyah radiallahu anh. Il y avait le groupe d'Ali radiallahu anh et le groupe de Muawiyah radiallahu anh. Ammar radiallahu anh était dans le groupe d'Ali radiallahu anh. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ammar radiallahu anh buvait du lait avant d'aller à la bataille et trouver la mort. Exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. La dernière chose que tu vas faire dans ce monde sera boire du lait. Il se trouvait dans son camp, buvait du lait, puis il est allé à la bataille. Les forces de Muawiyah radiallahu anh ont envoyé une flèche qui l'a tué. Il est donc mort du côté d'Ali radiallahu anh. Ce hadith a été dit pendant la construction du mesjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'a renié ce hadith d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait certains événements qui allaient arriver. Et celui-ci était une de ses prédictions. Et maintenant nous allons passer au mesjid et aux prières dans le mesjid. Une chose dont on ne connaît pas l'exacte date, c'est le changement des riqa'at, des 5 salawat. C'est-à-dire quand les 5 prières ont été réduites. Nous le savons tous dès l'Isra wal Mi'raj et c'est arrivé probablement le 10 ou le 11 de la da'wa. Les gens prient 5 fois par jour, cependant à cette époque-là, ils ne faisaient que 2 raka'at. Chacune de ces prières était 2 raka'at. Selon Aisha radiallahu anha, quand ils sont venus à Médine, les prières ont été placées comme vous le connaissez et les 2 raka'at ont été conservées pour le musafir, à l'exception du Maghrib bien sûr, sinon on prie 2 raka'at. C'est le hadith d'Aisha radiallahu anha dans le Bukhari. Quand ils sont arrivés à Médine, les prières ont été placées comme vous les connaissez et les 2 ont été conservées pour le musafir. Cela nous démontre qu'on n'a pas une date précise, mais que les sahaba depuis le temps ont commencé à prier comme l'on fait maintenant, c'est-à-dire 2, 4, 4, 3 et 4. Et là nous ne parlons que des farz. Donc toutes les prières ont augmenté, même le Maghreb était aussi 2 à Mecca, donc tout a augmenté à l'exception du Fajr qui est resté 2. Et la sunna, en plus des nawafal, ont été rajoutées. Nous savons aussi que durant le premier ou deuxième mois, la question s'est posée de comment le temps de la prière doit être donné. Et c'est un fameux hadith dans Bukhari d'une part, ainsi que plus détaillé dans d'autres livres de hadith, et tout le monde connaît l'histoire, mais pour la mettre dans le bon contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les sahaba. Et il leur a demandé comment devons-nous appeler les gens au moment de la salat. Quelles sont vos idées? Ils ont commencé à discuter ce qui devrait être fait. L'un d'eux a dit qu'on devrait utiliser une cloche, comme les chrétiens, mais cette idée a été écartée. Il y a un hadith authentique disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas aimé les cloches, et a aussi dit que les anges n'accompagnent pas les caravanes ayant des cloches. Il n'aimait donc pas les cloches. Quelqu'un d'autre a dit que nous devrions utiliser un chauffard. Pas un chauffeur de voiture, mais ce que les juifs utilisent et qu'ils appellent aussi corne. Ce n'est pas un clairon, mais c'est une sorte de trompe qu'ils appelaient chauffard. On l'écrit différemment, on ne fait pas comme chauffeur. Ils soufflent dessus et c'est comme ça qu'ils appelaient. Mais cette idée a aussi été rejetée. Et d'autres ont donné davantage d'idées, mais aucune idée n'avait de sens. Ils ont terminé leur assemblée sans aucune idée retenue. Cette même nuit-là, 2 personnes ont eu le même rêve. L'un d'eux était Omar ibn al-Hattab radiallahu anh, et l'autre était Abdullah ibn Zayd radiallahu anh. Ce dernier a vu dans son rêve un homme qui vendait des articles de cornes, de cloches ou autres, et il est allé vers lui et il lui a demandé s'il pouvait les acheter. L'homme répondit « Pourquoi ?» Il a répondu « Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer comment appeler les gens à la prière, et je pense que l'un de ces articles ferait l'affaire. » L'homme répondit « Je devrais vous dire quelque chose de meilleur que tout ceci. » Le sahabi Abdullah radiallahu anh a répondu « Bien sûr, dites-moi. » L'homme a alors dit « Quand tu veux donner le temps de la prière, tu devrais dire « Allahu Akbar » jusqu'à la fin du Adhan. » Il s'est alors réveillé, et son rêve était si clair dans sa tête qu'il a juste mis ses habits et est parti rapidement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit « Ya Rasulallah, voici le rêve que j'ai eu. » Et il lui a relaté tout son rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est un rêve vrai et il était clair de ce qui a été décrit qu'il espérait être le muezzin. Tu peux sentir cela dans la riwaya parce que c'était lui qui avait eu ce rêve. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à chacun une différente bénédiction en accordance avec ce qu'ils ont. Donc, il a eu la fadila de voir le rêve, mais c'était Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu l'élu. Rappelez-vous du nom d'Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu. Si quelqu'un nous pose la question de quand est-ce que le adhan a été légiféré, c'est le seul aspect de la sharia qui a été légiféré par le rêve d'un sahabi. Mais cette législation n'était pas dans le rêve, mais dans l'affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne basons pas notre sharia sur les rêves. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dit que c'était vrai, alors on ne serait pas basé dessus. Mais puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela, cela en fait une sharia. Quand Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu a dit ce dont il arrivait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lève-toi, ô Bilal, parce que tu as la voix la plus forte » et a demandé à Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu de monter avec lui pour donner les mots qu'il doit répéter. Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu a dit « Allahu Akbar, Allahu Akbar » et Bilal radhiyallahu anhu l'a répété d'une voix plus forte. Donc techniquement, Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu a effectivement donné le premier adhan, mais seulement à Bilal radhiyallahu anhu. Subhanallah, il a donné le premier adhan parce qu'il le dit avant Bilal radhiyallahu anhu, mais c'est Bilal radhiyallahu anhu qui l'a révélé au monde entier. Et au moment où il donnait le adhan, Omar radhiyallahu anhu est venu en courant vers le mesjid sans même avoir bien attaché son habit inférieur. Et il a dit « Ya Rasulallah, j'ai vu ces phrases dans mon rêve » ou encore « J'ai entendu ces phrases dans mon rêve » et il s'est avéré que lui aussi a eu le même rêve. Allah Azza wa Jal a montré à travers un nombre de sahaba et Allah Azza wa Jal a voulu que Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu soit le premier à avoir l'honneur d'en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, réfléchissez mes chers frères et sœurs, faites des recherches, méditez sur le pourquoi de cette manière de légiférer le adhan. Quelle est la leçon ou le message que l'on doit en tirer de la manière dont cela a été légiféré, cette sharia différemment des autres? Pourquoi cette sharia est arrivée dans les rêves des sahaba? En cherchant des informations concernant Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu, nous trouvons que Ibn Hajar a dit que c'est le sahabi populaire pour cette histoire de rêve et puis c'est tout. Pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi Abdullah ibn Zayd radhiyallahu anhu? C'est une des tristes parties de la sira. Il y a tellement de mystères que peut-être nous ne saurons jamais. Il y a peut-être une raison pour laquelle cet homme a été choisi. Qu'a-t-il fait pour l'islam? Quelle est sa bénédiction qui a fait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné le privilège d'être connu par tous jusqu'au jour du Qiyamah? Ibn Hajar a dit « C'est celui de l'histoire du rêve de Adhan. C'est comme cela qu'il est connu. Que savons-nous d'autre à son propos? Rien ou très peu. Encore une fois, il y a des sahaba dont nous ne connaissons que peu des choses et encore moins de lui. Nous avons déjà dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit le mesjid en 2 ou 3 semaines, après quoi il a construit ses maisons. Et à ce moment-là, combien de femmes avait-il? 1, 2, 3, lesquelles? Il avait exactement 2 femmes à ce moment-là, Saouda et Aisha radhiyallahu anha. Les maisons de Saouda et Aisha radhiyallahu anha ont été construites près du mesjid. C'étaient les seules maisons connectées au mesjid. Il s'est marié à d'autres femmes par la suite et à ce moment-là, les gens avaient déjà emménagé et connecté d'autres maisons au mesjid. Donc les autres maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvaient dans des blocs séparés, non pas dans le bloc près du mesjid. Ils n'avaient pas d'entrée directe au mesjid. Et subhanallah, par la suite, nous ne savons pas exactement quand, Saouda radhiyallahu anha était déjà une femme âgée quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle à Mecca. Elle était plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Saouda radhiyallahu anha a voulu tellement faire plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne savons pas quand exactement, mais elle lui a dit « Je sais que je suis vieille et que tu préfères la compagnie d'Aïcha radhiyallahu anha. Alors je te fais cadeau de ma nuit, va la passer avec Aïcha radhiyallahu anha. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait donc un temps double avec Aïcha radhiyallahu anha plus qu'avec les autres femmes parce que Saouda radhiyallahu anha lui avait offert sa nuit. Ceci veut dire que la maison d'Aïcha radhiyallahu anha était la seule dans laquelle il avait vécu et qui était connectée au mesjid. Les maisons des autres femmes se trouvaient dans un autre bloc. Il y avait une bande, c'est comme cela que l'on peut imaginer, il y avait des lignes de maisons et les unes derrière les autres et qui n'étaient pas connectées au mesjid. C'était la bénédiction d'Aïcha radiallahu anha d'être la seule dont la maison était connectée directement au masjid. Saouda radiallahu anha aussi, mais il ne passait pas la nuit là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendait visite et passait du temps avec elle, mais ne passait pas la nuit là-bas. Elle lui en avait fait cadeau. Et pourquoi? Pour lui faire plaisir. Elle veut lui faire plaisir et elle sait ce qui lui ferait plaisir. Donc elle a offert sa nuit à Aïcha radiallahu anha. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons des différents événements qui sont arrivés à Médine. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.